Encore, on commence chez haut en disant que elle a noyé les chaînes, elle a la vie nous chez Bachamay, le seul, l'unique, peut nous aider bien. Moment où tout le monde nous tourne. David Améler dit comme ça dans un verset. Maskil et David, Bioto, Bamearat et Quand j'étais enfermé, je me suis caché dans des Méharot, dans des Dans des cimetières, grottes. dans des grottes. Ça tombe bien parce que c'est le DAF prochain, il parle de ça. Nafshi l'Hashem Ezak, Nafshi l'Hashem l'Hanan. Je porte les fanaf sikhi. Oh, le pasouk là-bas avant, il dit à Bet Yaminouré, à Bet Yaminouré, Ven Makir, Avad Manos Mimini, Endorech les nafshi. Je bois aller à droite, je bois aller à gauche. Personne ne veut de moi. Qui a vivimi à Zabouni. Adonai à Sfeni. Mon père, ma mère m'ont abandonné. Et c'est toi, Kadash Barouh, qui va me reprendre. Et tu vois, ma mâche, voilà, on va faire Yom HaTzmaout ce lundi soir. Donc, je vous annonce déjà qu'il y aura pas chiant. Mais, c'est, tu te dis, c'est des, après 76 ans d'État d'Israël, on a tellement passé, le Ham Israël a tellement passé la Médina d'Israël, ce jeune pays, Le ce qui est clan bébé, d'Israël, même le c'est peuple. un pays bébé, c'est un pays enfant. Et regarde ce qu'il ne veut pas laisser, il veut l'asphyxier, il veut pas laisser vivre, pas laisser respirer. Et tout le monde veut étouffer. La naissance de cette Akadosh Baruch Hu, et là, il dit Ayolotiye. Kadosh Baruch Hu, il dit Ham Israël restera. Vous savez, on a lu une haftara à la fin de Pessah. Il y a une haftara qui est très importante. Parce que c'est exactement un peu la même situation, même pire. Pire. À l'époque de Hizkia Melech, le roi Sanhérif qui a conquis le monde entier est venu sur Jérusalem pour conquérir Jérusalem. Il a conquis le monde entier. Jérusalem, pour lui, c'était une blague. Il est venu avec 185 000 chefs de troupes. On l'a étudié au début de notre Ouais, Gemara. la Emouna de Et Heskeou, c'était terrible. Chizkiyahu HaMelech, quand il arrive là-bas, il n'avait même pas de tzahal. Vous savez qu'il n'avait pas de tzahal? Il a même été dormir. Et il lui a dit, et Dieu va lui dire un mot. Veganoti ala ir azot. Je protégerai cette ville. C'est la meilleure garantie qu'il puisse Je te avoir. promets qu'il n'y ait pas une flèche, pas une rampe, pas une flèche qui transpercera le Oh, ouais. ciel, qui entrera dans le ciel, Dans l'espace aérien. l'espace aérien. Il n'y a pas une rampe qui sera posée, une échelle qui sera posée sur les murailles. Va dormir tranquillement. Il a dit, bah, Hachem, tu me dis, je vais le faire, je peux me gêner. Il est parti dormir. La Emouna et du Bitachon, mais quoi? Il n'y a pas de limite, C'est là. pas une chose pareille, c'est incroyable. Ah ouais. J'adore ta question. Harry pose une question qui est formidable. Non, il a parlé avec Hachem. Non, mais c'est vrai. Ça veut dire il a Mais eu la signature du chef alors du maître du monde. il te parle, il va dormir. Tu sais quoi? Ou alors nous, ils sont J'adore pas ce que sûrs tu quand dis. on Non, s'est non, dit. non, on est sûr. Ah bon? J'adore ce que tu dis. Parce que le prophète qui est venu le voir. Le prophète qui vient lui dit ça. Mais c'est tellement bien ce que tu dis, parce que je vais expliquer une idée sur ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que si le bon Dieu il te dit, moi le bon Dieu il me dit rentre à Gaza Casse-nous. Tu avais sans la canne. comment t'appelles ça, Sans les j'y vais quoi. paroles. Moi le bon Dieu me parle, j'y vais quoi. Je veux dire, Les autres, ils vont te prendre comme un schizophrène. et là, si j'y vais, Hachem m'a dit, parce que mais Et quelqu'un qui parle en même temps que toi, Rabbi. Éteignez les je micros. sais pas. Éteignez les micros, s'il vous plaît. Je sais pas c'est qui. Mais est-ce que vous m'entendez, vous? Ouais, moi, je t'entends. Ah, ok. Razak, Monsieur Brunner, Monsieur Znati, Monsieur Deriba, Monsieur Hachem. Alors, et qu'est-ce qu'il dit? Et il dit, ne t'inquiète pas, va te reposer, je m'en occupe. C'est incroyable, le matin, Pegarimetim, il reste qu'à peine quelques soldats. Tous morts, tous morts. Un miracle incroyable. On a vu ça avec les missiles qui sont venus d'Iran.
Mamash, c'est ce Ça, qui ça aussi, c'est un faisait. miracle. Live, le monde entier l'a reconnu comme un Ouais, miracle. mais personnellement, moi je pense qu'il faut. Il aurait fallu faire une Seudat Hodaya collective, tu vois ce que je veux Ouais. dire? Ce qui s'est passé du Ça a Motel dû se Shabbat faire, d'Iran, certainement. Ça a dû se faire, mais ça a dû être faut le mettre dans le trop. calendrier. C'est un miracle impressionnant, en tout cas. Mais l'âme Israël est habituée au miracle. C'est presque notre pain quotidien. Là, les condamnations, parce que le monde entier a dit ça, ça, ce coup-là, il est, c'est unique. Les Non, missiles mais qui viennent à on est des tellement altitudes habitués. différentes, On est tellement habitués, c'est que. différentes vitesses et tout. Il y a, y Apparemment, a... il y avait d'ailleurs, à la suite de ça, il y a plein de pays qui ont commandé ce système. Il y a plein de pays qui ont commandé ce système parce que Ouais. ça n'existait nulle part. Non, mâche. Même Israël n'avait jamais utilisé, ils n'étaient pas Autant. sûrs Non. de. Mais Non, là, ils non. n'avaient pas le choix. Ils ont monté jusqu'à ce qu'on appelle Arwa. C'est le Hetz. Ils s'appellent ça Hetz David, ou pas. C'est monté jusqu'à La l'atmosphère. stratosphère. Ouais, c'est un truc de fou. Ouais. C'est incroyable. Mais en tout cas, Batachles, Akadosh Baruch Hu, il nous a toujours prouvé que c'est le seul et l'unique sur qui on peut compter. Et nous, on fait une erreur. Notre erreur, franchement, et je parle pour nous tous, hein, c'est on se met dans la tête Amérique, Amérique, Amérique. Mais il y a un verset qui nous dit, Ashur le Yoshenu. Oh, jusqu'à quand vous avez compté sur cela? Parce que voilà, il suffit que la politique étrangère ou le type qui est dans la politique là-bas échange d'avis, Nigmar, il n'y a plus rien. C'est d'un jour à l'autre. On peut se retourner, ça va être un monde clair, là il n'y aura plus de logique. Moi, je vais vous parler d'un passage qu'on va étudier maintenant. Quelques psukim qu'on avait l'habitude de voir en Parashat Kedoshim. Parashat Kedoshim qui est juste une formidable, déjà formidable. Alors, dans Harimot Kedoshim, Kedoshim donne beaucoup de mitzvot. Et la mitzvah dans Harimot, on retrouve les mitzvot. À la fin d'Harimot, il y a écrit Lo kema'ase eret mitzrayim lo ta'asun. Vous allez en Eretz Israël bientôt. S'il vous plaît, Hachem vous demande, nous demande de ne pas faire comme les agissements et le comportement des Égyptiens. C'est-à-dire, ce que vous avez vu en Égypte, ne le refaites pas. Et comme vous allez voir des Kénanim, ne le refaites pas, n'essayez pas de les imiter. Vous n'avez rien à voir avec ce peuple. Kedoshim tiyou kekadoshim. Vous Vous êtes êtes Kedosh. Kadosh dans votre comportement, Kadosh dans votre volonté. Même nos volontés doivent être Kedoshim. À la limite, ce sont les autres qui devraient nous Il copier. n'y a pas à la limite, c'est ça. Et nous dit Swatemet, c'est quoi Kema'ase Eret Mitzrayim? Comme les agissements de Mitzrayim. Parfois, il n'y a pas écrit Ma'ase Eret Mitzrayim, l'agissement. Il y a écrit comme les agissements. L'agissement, les interdits, Ça, écrit c'est noir sur blanc. Kafka, c'est Ça, c'est sûr. sûr que c'est interdit. Mais l'idée, comme nous explique, on a étudié lundi Ramban, Nachmanide, qui nous dit, même ce qui n'est pas écrit noir sur blanc dans la Torah, tu peux dire, Pardon. ben, juridiquement, je suis correct. Voilà, c'est pas écrit de ne pas faire ça. Mais Dieu te demande, ne sois pas naval, birshut ta Torah. Aucune Ne influence. sois pas naval. Naval, ça veut dire quelqu'un qui va jouer entre les lignes de la Torah et qui est au nom de. Fêter que la loi ne m'a pas interdit ci, ne m'a pas interdit ça, alors je peux jouer avec ça, je peux naviguer à travers la loi de la Torah, d'une certaine manière trouver les failles. Et voilà, il donne un exemple, quelqu'un qui est glouton. Glouton. Ça ne termine nulle part. Alors justement, il y a aujourd'hui un collègue qui me demande est-ce que c'est interdit dans votre Torah d'être glouton? Il m'a demandé ça aujourd'hui. Je lui ai C'est dit, pas ben voilà, interdit, c'est pas c'est le interdit. Ramban Nachmani Parashat Kedoshim qui te dit, oui, c'est inscrit. Dans la mitzvah Kedoshim Tiyu, vous êtes Kadosh. Un glouton, est-ce que tu peux le voir, tu dis ça, c'est Kadosh? Non. Et ça, tous les jours, on dit ça. Qu'en faisant les mitzvot, on devient Kadosh aussi. Comment je deviens un Kadosh? C'est en pratiquant les mitzvot. Tu pratiques mitzvot, tu utilises la Torah, tu raffines tes idées, tu raffines ta volonté, tu raffines tes midot, tu deviens noble. Eh bien, exactement, tu coupes le sandwich, tu as fait méode. Puis-je Bon, dire quelque et chose? là, dans ce Ah, cas-ci, là, mais... c'est exactement ça. Tu es dans la Kedusha. Et il faut changer, il faut avancer, il faut grandir, il faut Ça, c'est grandir. Et difficile. voilà, il faut Puis-je... grandir. Et je vous dis, Rabotai, pour moi en premier, pour nous tous, mais grandir, ça veut dire, ça va avancer dans la vie. C'est pas juste, tu sais quoi, moi je vole pas, je suis un bon citoyen, je paye mes taxes, ça va, tout va bien, je fais du mal à personne. C'est naf. C'est dans tes nafs. Toi, Rabbi Rabotai, quand vous allez choisir un hatan pour votre fille,
On te dit, il a volé personne, il a tué personne. Est-ce que pour toi, c'est un compliment, ça? Est-ce que c'est un critère? Est-ce que si on te dit, tu sais, il est merveilleux, il a tué personne, il paye ses taxes? Oh my God! Franchement, c'est ça que tu as trouvé? C'est ça que tu as à me dire? C'est pas ça que je cherche. Moi, dis-moi que c'est un type qui va bien traiter sa belle-mère ou qui va bien s'occuper de ma fille, qui a de bonnes midotes, qui est modeste, qui va bien s'occuper de la parnassa, qui est travailleur, qui fait des efforts, qui travaille ses midotes, et qui, etc., qui est un Ben Israël de chez nous, un bon Meknassi, ou un bon Marocain de Fès, un Rabbi Moshe. Dis-nous que c'est quelqu'un de chez nous, dans et tout on ça, entend ta oui. femme, on entend Mais ta si femme, tu tu devrais viens trouver ton et tu son. me dis que voilà, il n'a pas tué, il n'a pas fait, c'est pas suffisant. C'est ça qui dit à Kadosh Baruch Hu Kedoshim Tiyu Rabotai. C'est pas là, je suis Kadosh, moi je vous ai choisi. Vous êtes mes ambassadeurs, vous êtes mes ambassadeurs. S'il vous plaît, soyez de fiers ambassadeurs. Alors dans la paracha, il parle beaucoup de mitzvot aussi, de Torah, de mitzvot, c'est Benadam la Chavero, des mitzvot entre moi et moi, et les hommes, moi et mon ami. Il y a écrit dans le Passouk, regardez comment la Torah, elle est que, c'est que de la douceur, c'est que de la, c'est raffiné à la personne. Lot et Kalel Cheresh, un exemple, prends juste un exemple. Ne maudit point un sourd. Un sourd, est-ce qu'il entend? Non. Ça veut dire que même ça ne le alors fait pas. Alors quel problème, alors quel problème? Mais il est sourd. Il est sourd, Harry. Il est sourd. Tu vas l'insulter, il ne va pas t'entendre. Lui, il finit à hiver, l'autre, il t'aime. Et devant un aveugle, ne mets pas un obstacle. Tu y arrêtes, mais Eloïcha. Et tu craindras Dieu, Ani Hachem, je sens. Tu vois? C'est-à-dire que la Torah me demande que. Les goyim, ils ont ça. De respecter ton prochain. Exactement. Et pourquoi? Parce que, au-delà que tu respectes l'autre, tu dois être toi une bonne personne. Ah, mais lui, ça ne va rien lui faire, il ne va pas entendre. Mais tu t'habitues à être une mauvaise personne en insultant les gens, en parlant mal. Toi, tu dois être quelqu'un qui est top. Surtout en à la moment, il écrit dans le Passouk, l'hôtelé Rachid Barmecha, par exemple, ne pas faire du colportage, la médisance. L'hôtelé Rachid Barmecha. Ne fais pas du. En français, on appelle ça du gossip, en anglais. Ok? Et tu as vu ci, et tu as vu ça, tu vas chez le coiffeur. Il te coupe les cheveux, le temps de couper les cheveux, tu as eu le temps de lui donner une cargaison de la chanara qui est de 2000 mots. Leister. Aïe, 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 le itinéra du coiffeur. Vous connaissez ce itinéra? Moi, j'en parle des fois, je dis à ma femme, dis-moi, parce que vous savez, ils font la manicure et tous ces trucs-là. Et c'était dit des femmes. Je lui dis, bon, les salons de coiffure et les salons de. Hein? Je veux pas faire du lachonara, moi, sur les salons. Alors, je vais m'arrêter. Et puis, à un moment, il y a écrit, je voulais le passer au clôtis, n'aille point à ton frère en ton cœur. C'est une mitzvah de la Torah. Vous savez que vous ne pouvez pas haïr votre frère en votre cœur. Vous savez ça? C'est-à-dire que tu ne peux pas haïr quelqu'un dans ton cœur. Si tu vois quelqu'un, tu ne peux pas garder une haine. Bon, ça sort. Peu importe. Si t'as pas fait de crasse, c'est vraiment bizarre si tu le détestes. Ochriar, tochriar et tamitecha. Bam. Et là, je vais tout expliquer. Harry, c'est pour ça que je vais tout expliquer maintenant. Et là, tu vas voir comment tout s'explique. Quand même, si t'as fait une crasse, ça a été quoi? La vérité, il y en a avec des gens que tu ne peux pas les voir. Ochriar, tochriar, tu devras lui faire un reproche. Faire le reproche à ton ami. Donc ici, on apprend une mitzvah de la tochacha. Vous savez qu'il y a une mitzvah de faire tochacha. Par exemple, tu vois ton enfant qui va dans le mauvais chemin. Tu vois ton enfant qui prend... Tu vois ton collègue de travail. Tu vois quelqu'un autour de toi qui ne prend pas une bonne route. Tu te dois, si tu aimes Akadosh Baruch Hu, si tu aimes la personne qui est en face de toi, d'aller le voir et dire, tu sais mon gars, de lui faire une mauvaise route. Il prend une mauvaise décision. Des mauvaises choses dans sa vie. Il fait des mauvaises actions dans sa vie. Et eh bien, tu le dois de lui faire un reproche. C'est mitzvah de la Torah. Ochriach, tochriach et ça veut dire de le mettre en garde. Vélotissa à la frette, afin que tu portes point, tu ne portes pas sur lui de faute. Parce que si tu l'as vu faire et tu laisses faire, tu ne dis mot, tu consens. Non, mais c'est complice. Lotikom et lotitor. Prochain verset. Donc, premier verset, on est clair. Prochain verset, lotikom et lotitor. Ne te venge pas. Vélotitor, ne garde pas rancune et de béné amécha avec le peuple, avec ton peuple. Ve'afta, le ri'acha, kamocha.
Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ani Hachem, je suis Hachem. Donc, il y a deux versets importants dans ce, dans cette paracha. Et c'est des versets avec quatre sous-idées, quatre idées importantes. Enfin, Manam Ensa, il dit, c'est quoi l'otisna et tachicha bilvavcha? N'aie point ton frère en ton cœur. Okay. Après, la mitzvah de la tochecha, de la remontrance. Ochear tochear tamitecha. Faire une remontrance. Après, tu ne gardes pas rancune et tu ne te venges pas. Puis après, ve'avtel erecha kamocha. Vous voyez les quatre points? Ramban, il va expliquer c'est quoi le fil conducteur dans ces quatre idées. Hein? Voilà, il va t'expliquer c'est quoi le fil conducteur. Et il explique joliment. Il dit comme ça. Est-ce que ça peut arriver que entre deux personnes, ça n'aille pas? Ben oui, évidemment. Ben oui. Évidemment. Et si je vous demande aujourd'hui, Rabotai, est-ce que vous avez le droit d'haïr quelqu'un? C'est que non. Eh bien, c'est dit que non. Réponse, oui, c'est dit que non de le haïr dans ton cœur. Ce qui est le problème, comme dit Ramban, c'est de garder dans ton cœur et d'être hypocrite avec ton sourire. Alors, tu vas me dire quoi? Donc, je peux lui dire je te déteste. C'est pas ça qu'il dit Ramban. Ramban, il te dit, c'est possible qu'on ait une certaine haine. C'est possible qu'il y ait quelque chose qui ne va pas. Le gars, il t'a fait comme tu as dit une crasse. Le gars, il y a eu un quiproquo, il y a eu quelque chose. Ça s'est mal passé. D'accord? Et ça, ce sont des choses qui arrivent tous les jours. Et là, ce que je vous donne, c'est le secret de la vie, Leïtsen. Là, c'est le secret de la com. Comment bien se passer avec tes collègues, tes amis, bon, ta femme, j'espère. Ok, parce qu'il faut le faire. Ça, mais c'est, écoutez ça. Alors, Rabotai, l'otisna et achicha, le pasuk te dit bilva vecha, dans ton cœur. Il te dit parce que la ba'avur chez derecha sonim, les chassot et tinatam libam. Te dit que la manière de faire, naturellement, c'est que celui qui porte la haine de quelqu'un, dans, eh ben, c'est dans son cœur, il la cache. Il garde, il garde. Parce que comment ça explose. Il garde. Et le fait de garder, c'est pas bon. Il te dit le Ramban. C'est ça qu'Hachem te demande. Alors, demande Harry. Alors, what I can do? Qu'est-ce que je fais? Prochaine idée. Fais le reproche à l'autre. Mets carte sur table. Tu sais quoi? Crève l'abcès. Ne reste pas des années, des mois, des semaines en froid, en bisbise. Et tu sais quoi? Et moi, je lui fais juste un petit sourire de bonjour, mais dedans, je suis un sourire hypocrite. Dedans, je ne supporte pas, je ne peux pas me le voir avec tout ce qu'il m'a fait et tout ce qu'il a agi. Alors, il te dit, la Torah te dit, Ochriar, Tochriar, viens faire un reproche. Règle, parle, dis-lui, mais l'autisme à la frette. Mais tu ne porteras pas sur lui de péché, ça veut dire quoi? Ne pas de recul. Ça veut dire quoi? Non, en avance, l'autisme à la frette. Rachid te dit, ça dépend comment tu dévoiles tes cartes. Qu'est-ce que tu dis? Ne lui fais pas honte quand tu lui dis les choses. Si tu lui fais un reproche, espèce d'imbécile, tu as vu comment tu m'as parlé, espèce d'idiot, eh ben non, c'est pas la manière. Oh, tu veux arranger les choses ou pas? Il y a quatre possibilités de réaction. On va les voir. Mais d'abord, tu dis les choses. Comment? Lotisse à la frette, par une bonne manière. Je ne dis pas d'être son meilleur ami, mais je te dis, tu mets les choses carte sur table avec de la franchise et de la douceur, diplomatie et respect. Mais tu dis, voilà, tu te rappelles ce que tu m'avais fait l'autre fois? Tu te rappelles ce que je t'avais invité au mariage de mon enfant? Tu te rappelles ce que tu m'avais fait quand ce que tu m'avais dit ça devant lui? Tu m'avais vexé. Et très vexé, que tu le saches. Ah, vraiment? Mais je ne le savais pas. Mechila. Première réaction possible. Ça, c'est la meilleure. C'est la meilleure. Ou deuxième réaction possible. Le père a marqué des Je n'étais même pas au courant, Michlal. Je t'ai fait de la peine. Ou peut-être. On voit des condoléances. À ce moment-là, je n'étais pas bien avec toi. On voit des condoléances. Je voulais te la rendre. Rendre dans le. Tu sais quoi, ce n'est pas cher. De ma part, je te demande pardon. Ou sinon, tu sais quoi, je peux. Dans ton mail, tu peux le recevoir. Mais moi, tu sais que lorsqu'il est devant toi, il a de la chance. Tu comprends? Tu vois ce que je veux dire? Mais tu as 75% de chance où le type, là, il vient, il te dit, ou même plus, qu'il va venir vers toi. Maintenant, le gars, il dit, tu sais quoi, non, moi, je ne vais pas lui parler. Moi, je ne vais pas lui dire.
Moi, je vais Ouais. laisser et je vais laisser faire. Voilà, ça va. J'arrive à manager. J'arrive à gérer ma haine. J'arrive à gérer ma colère. It's OK. Tu sais quoi, je ne vais rien lui dire pendant ça. Chaque Shabbat, je vais le dire. Shabbat Shalom, comme si rien n'était. Et dans mon Shabbat Shalom, c'est étouffe-toi dans ma tête. Mais c'est pas grave. Bon, tu penses que tu peux gérer comme ça? Tu penses que ta haine ne va pas s'exprimer? Même si toi, tu ne dis pas, tes yeux le diront pour toi. Et là, il continue à former les amen au Ramban. Il dit, c'est ça le prochain passouk. Si tu penses que tu peux garder en toi, eh bien, tu saches qu'elle va s'exprimer un jour. Comment? Et là, il a dit, il amène au Ramban, prochaine idée de la passouk de la Torah. Loticom velotitor et bene amecha. Ne te venge pas, ne garde pas rancune. La Gemara demande, Okay. c'est quoi? Quoi? Okay. Comment? Okay. Comment, monsieur Mathieu? Est-ce que vous savez que le père de Marc Dayan est décédé? Oui. Oui, c'est paru sur le On l'a cachet. dit Dans le au cachet. début du chiot. C'est dans le Ah, cachet, ok. maintenant. Je n'étais pas là à l'entrée, c'est pour ça. Ah, on l'a dit que Hachem et son âme, et ils vont l'enterrer en Israël. Dieu Donc est son Marc va âme. voyager en Israël. Où il Ouais, va? sûrement. Toute la Ah, famille. ils vont faire la Shiva là-bas, vous savez, quelqu'un est tout Oui, courant? la Shiva là-bas. La Il n'y Shiva avait même là-bas? pas de Tehara ni rien. Il n'y a eu que la Tahara ici. Parce qu'il n'y avait pas, monsieur. Il l'a envoyé déjà? Ce soir, il n'y a pas eu de. Il y a eu la Ce Tahara à soir, ils sont Montréal. avec la Khevra. Dimanche, l'enterrement. C'est ça, je Les lui ai enfants envoyé un partent. message. Les enfants s'en vont. Marc, apparemment, s'en va ce soir, sinon samedi soir. Non, sinon dimanche. En C'est tout le cas, problème. Il partait il a avec eu trois une longue vie. poulettes. Non. Au HaShem. En tout cas, qu'HaShem leur donne à toute sa famille chez l'eau, Yusuf Amen. d'abord. Alors, Abotai, alors il te dit, Lotikom et Lotitor. C'est quoi Tikom et Titor? C'est ne garde pas rancune et ne venge pas. C'est quoi la différence? La Gemara te dit, c'est quoi la différence? C'est que, par exemple, garder, te venger, alors, et garder rancune, ce sont deux choses différentes. Par exemple, Harry, je viens chez toi et je te demande, est-ce que ça ne te dérange pas de me prêter ta visseuse électrique là, la perceuse, j'ai un petit truc à faire. Tu me dis non. Wow. Tu m'as dit non. Disons, je prends un exemple parce que c'est un euphémisme, c'est très bien que tu vas me la donner. Je viens et pas de problème, y a pas de Pourquoi je t'ai souci. dit non? Tu m'as dit non, tu sais, non, je préfère, tu sais, non, je veux pas. Je veux pas, je sais, j'ai déjà prêté à quelqu'un. Ok, pas de problème. Qu'est-ce qui se passe? Dimanche, c'est le Super Bowl. Ou le. Comment il s'appelle Une le tempête jeu? de neige, je viens te demander la paix. Non, il vient, il me dit, je sais que tu en as la même télé. Et moi, j'ai perdu ma télécommande et je ne peux pas voir mon match. Est-ce que mais tu peux me prêter la télécommande? Moi, je viens, je te dis, deux possibilités. Ou je me venge, je me dis, pas dans le rêve. Ou je viens et je te dis, Harry, avec plaisir, moi je suis un chic type, je suis pas comme certains. Ça, Même ça, c'est pas bien. c'est pas bien, ça. Alors il y a l'oticum, c'est ne pas se venger, je te fais la même chose. L'oticor, Il vient de c'est que donner. je garde rancune. C'est quoi garder rancune? Moi je te Prends la dis, peine. tiens, prends ma peine, je suis pas comme toi. Ça veut dire que quoi? C'est que tu as gardé rancune en fin de compte. Preuve, tu l'as exprimé maintenant. Parce que si tu n'avais pas gardé rancune, tu l'aurais pas exprimé. Oui ou non? Il te dit, Rambam, regardez la suite. Comment c'est magnifiquement bien écrit dans la Torah. Lotisna N'aïe point ton frère dans ton cœur. Ah, est-ce que je peux l'haïr à l'extérieur? Oui, exprime ce qui ne va pas. Dis-lui ce qui ne va pas. Pourquoi on a vu quelles sont les réactions possibles? Parce que si toi tu penses que tu sais quoi, je vais dealer avec ma haine, pas besoin d'en parler, Tu vas pas le besoin de faire ces sortir. thérapies, je reste dedans, ce qui va se passer. Arrivera un jour, Lotikom et Lotito, arrivera un jour, elle va sortir où tu vas lui dire non, je ne te prête pas, tu vas dire je ne suis pas comme toi, ça va sortir. Une certaine expression verbale, grimace, whatever is it, ça va sortir. Mais si tu fais tout ce par processus que je t'ai dit de Okéar, Tokéar, qu'est-ce qu'il y a? Prochain passouk, tu pourras arriver à aimer ton prochain comme toi-même. Quand tu arrives dans cette communication à tout bien exprimer, avec douceur, diplomatie et doigté et tact, mais tu arrives à tout dire, eh bien tu réussiras. Eh bien, mais regardez Rabotai, vous remarquerez. Que ce soit les thérapies, les psychologues, whatever is it, tout est dans la parole. Parle, dis-moi ce qui ne va pas. Exprime, dis-le dans tes mots. Parle, qu'est-ce qui ne va pas? Ne le garde pas en toi, ça suffit.
Je prends tout, ça soit chez l'enfant et chez l'adulte. Qu'est-ce qui ne va pas? Vois ta peine, dis-le-moi. Exprime, dis-moi qu'est-ce qui te dérange. Que ce soit physique ou psychique, il faut l'exprimer. Et ça, la Torah, elle me dit, sans parachète kedoshim. Dans ce qui ne va pas, pour pouvoir arriver à quoi? Et de tous ces petits problèmes quotidiens qui peuvent arriver de communication, on en fera au contraire un bloc de construction et non pas de destruction. C'est ça qui est, je pense, un des points principaux de la paracha de cette semaine. Je pense qu'il faut qu'on amène avec nous comme bagage dans notre train-train quotidien et essayer de faire nos devoirs avec un bouteille de. Vous savez combien c'est dur? C'est un grand yetzerara de ne pas parler. C'est un grand yetzerara de vouloir garder dedans. C'est une bêtise. C'est une bêtise, c'est une bêtise, c'est une bêtise. Ça soit même dans le couple. C'est une bêtise. Écoute, c'est bien, Elia, tu prépares. Ah, c'est une bêtise. Something's not good happen. Comme on dit, parle-en le soir même. N'attends pas une nuit, deux nuits, trois nuits. C'est dommage. Too much. Everything. Non, voilà. Alors, everything. Et ça, c'est très, très, très chaud. Très, 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 très chaud. Hein? Pour les soirs, à peu près, dormir, si elle n'a pas trop Qui, qui, qui? Ah, ben, c'est. Elle a passé une discussion. La vidéo est collective. Ouais, avant d'aller dormir, il n'y a pas de chaud pour arriver. Oui, elle a raison. Et ben, c'est elle qui a raison. C'est elle qui a raison, et c'est elle qui a raison, et c'est elle qui a raison. Et c'est très raval. Parce que qu'est-ce qui se passe? Parce que après, les choses avancent, ça prend de l'ampleur pour rien. Ouais, c'est-à-dire que le noyau de la dispute et de la querelle, c'était une broutille, mais les strates qui se sont rajoutées ont créé une écorce et de l'animosité pour rien. Et... Alors ça dépend à qui, ça dépend à qui, avec qui, à qui, avec qui. Mais là on verra. Alors on va expliquer ça. Bon, je vais dire des choses ici qui peuvent être prenantes, mais on y va. Monsieur le rabbin. Monsieur le rabbin, juste une chose. Vous avez dit tout au début qu'il faut croire en Hachem et pas dans les autres machins. Vous savez que Echad, c'est Hachem. 16. Gematria, 13. Tov, c'est 17. 13 fois 17. 13 multiplié par 17, c'est 221. Et Hachem sera Tov, Tov, Tov pour nous dans le mois de Iyar. Vous savez pourquoi Iyar? Parce que Iyar, c'est 221. C'est beau ce que vous dites. Mais je n'ai pas entendu comment on arrive à 221. 17 fois 13, 13 fois 17. Echad multiplié par Tov. Fais Méod. Ah, tu sais quoi, monsieur Brunner? C'est Tov Méod, ma chata Omer. C'est Tov Méod. Mais il y en avait une autre. Hein. Il y a Abraham, Yitzhak, Yaakov et Rachel. Si vous faites l'addition de tout cela, c'est 521. C'est la même gematria que Beth Amikdash. Il y a Abraham, Yitzhak, Yaakov, Rachel. Monsieur Derry, vous parlez? Je ne sais pas si je l'entends. Non, c'est moi qui ai parlé. C'est moi qui ai parlé. J'ai dit, il y a, c'est Abraham, Yitzhak, Yaakov et Rachel. Gematria, même Gematria que Beth Amikdash. Bravo. Bravo. Alors, il va. Parce que dans le mois d'hier, il y a plein, bizarre. Plein, plein. Vous rappelez qu'on avait terminé, mais c'est un peu. Mais on va essayer d'expliquer, d'accord? Tania, Amar Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il dit pas machat nichnasti achar Rabbi Yeshua betakissé. Une fois, j'étais voir comment Rabbi Yeshua faisait pour aller aux toilettes. Mais la mati mimino qui met varim. J'ai appris de lui trois choses. La mati tchen ifni mizrach ou ma'arav. J'ai vu qu'on ne. L'orientation. Que l'orientation doit pas être de l'est à l'ouest, mais doit être du nord au sud. Bravo. Et là, de sa fois, nous d'arrombe. La matiche, une frame au mad et la moucham. J'ai vu qu'on nous défèque et qu'on ne fait pas debout. Numéro 2, debout mais assis. La matiche, j'ai mis Catherine, Benjamin et la bismol. Et j'ai vu que, non, à l'époque, dans les latrines, c'était pas. C'est vraiment dégueulasse que les gars, ils. Dans les Turcs, oui. Etc. C'est pas comme ça. C'est plus facile de le faire. Mais il faut faire, voilà. Et la matiche, c'est une mécanchim. Benjamin et la bismol, c'est une alakha qui est tranchée et qu'on utilise la main droite et la main gauche et non pas la main droite. Bravo. Amarli ben Azay et Kan et Azta Panecha Birabecha. Ben Azay, il dit moi, tu n'as pas honte. Chouma. Tu as dû de manière aussi effrontée envers ton maître d'aller voir comment il a un truc. Il dit mon gars, Rabbi Akiva, notre maître,
Rabbi Akiva, je peux parler, on peut parler des heures que de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, Marley Torah, Yves, il m'a dit son comportement, même dans cette situation, c'est de la Torah pour moi. Et je dois, et je me dois d'étudier, je dois savoir comment on se comporte dans la synagogue, dans le toilette. Excusez-moi. De la même manière que comment on se comporte à la synagogue, comment on se comporte dans le toilette. Comment on se comporte dans la synagogue, comment on se comporte. Excusez-moi, Rabbi. Oui. Est-ce que je dois comprendre que même quand on va aux toilettes, il y a une direction où il faut respecter? Oui, aujourd'hui, bon, les toilettes sont faites comme elles sont, c'est fini. Exactement. Mais en tout cas, à l'époque où c'était des toilettes qui étaient, on va dire, provisoires, ou dans les champs, etc., il y avait une direction, une direction à avoir, surtout à l'époque du Beth Amikdash, du temple, pour ne pas faire vers le temple. Vous voyez? Voilà, mais aujourd'hui, il n'y a plus ça. Par contre, il y a toujours cette halakha de avec quoi s'essuyer, sauf que même ça, comme à l'époque c'était avec des pierres ou des choses pas propres, facilement on pouvait se salir les mains. Alors aujourd'hui, qu'il y a les papiers hygiéniques et tout, donc c'est différent. Voilà. Mais j'avais expliqué à la fin qu'il faut bien utiliser même des lingettes. On avait parlé du bidet. Le bidet aujourd'hui, le système de bidet, c'est génial. Je trouve ça. Ouais, ouais. Ouais. Voilà. Maintenant, j'avance une nouvelle Gemara. Qui dit, là, si vous êtes un peu surpris. Il n'y avait pas d'hémorroïdes. Ok, on y va. On y va. Vous êtes prêts? Non, justement, on va parler de ça maintenant. Ah oui. Rav Kahana. Tanya, Ben Azaï Omer. Alors, écoutez ça. Ça, c'est Rabbi Yeshua, Rabbi Akiva, qui est parti voir Rabbi Yeshua. Et Ben Azaï lui fait la remarque. Mais dis-moi, Rabbi, tu n'as pas eu honte de faire ça à ton maître? Il dit, c'est à toi, je dois apprendre. Très bien. Prochaine anecdote, écoutez, qui sont les noms? Ben Azaï Omer. Ben Azaï dit. Une fois Rabbi Akiva est rentré aux toilettes, j'ai été voir. Wow, wow. Vous avez compris, il a vu que ben, Rabbi Akiva s'est permis de le faire, donc moi j'allais voir comment Rabbi Akiva avait fait. Et j'ai appris de lui trois choses, les mêmes choses. Il a appris exactement. À Marlo, Rabbi Uda, et Rabbi Uda, son élève, il dit, mais Rabbi, tu n'as pas eu honte de faire ça à ton Rabbi? Il dit, mais je dois apprendre de son comportement, comment faire? Super. Oui. Comme celui qui a fait Allô. Avec Yaakov. Allô, chérie, tu es là? Oui. Allô? Oui, je suis là. Allô? Oui, je suis là. Oui, Moïse, on t'entend. Coupe ton son. Allô? Allô? Non, c'est à moi que vous parlez, Rabbi Moïse. Ah, excusez-moi, excusez-moi. Vous m'avez dit, chérie, si tu es là. Je lui ai dit, je suis là. Je vais céder, je vais céder, slicha. J'étais en conversation avec ma fille. Ah, c'est parfait. Bye. Alors, Botaï, qu'est-ce que je... Qu'est-ce que je dis? Rav Kahana... Al Gena tout est pour aider Rav. Non, pourquoi? Attendez, je vais me dire, mais il avait déjà pris la halakhot. Ben Azaï, il avait déjà pris de Rabbi Akiva la halakhot. Pourquoi aller voir? Réponse. Il y a une halakha théorique et une halakha pratique. Je vais voir pratique BMET comment c'est. Et je vous dis, bon, toutes ces halakhot, tout ce qu'on vit, ces comportements, à ne plus faire aujourd'hui. Rav Kahana. Al Gena tout est pour aider Rav. Une fois, Rav Kahana vient se coucher sous le lit de Rav. Rav, c'est le plus grand talmudiste, je crois, de tous les temps. Ok, qu'on soit clair. Il a même pas... Son prénom, c'était Abba. Mais on l'appelle Rav. Parce que c'est comme... C'est pas besoin, hein. C'est pas besoin de la prononcer, okay. Son nom. Schéma... Alors, il est parti sous son lit. Et c'était pendant le moment de la relation conjugale avec son époux. Schéma'e desah vesabhak vesatzerachav. Il entendit comment Rav parla tout d'abord avec sa femme, réensuite avec elle, et seulement ensuite, il faisait ses obligations conjugaux. Conjugales. Ses obligations, ses devoirs conjugaux. Ah, ses devoirs. Mais, attends, il était là. Oui, sous le lit. À Marley. Mais il l'a attrapé. Et regardez. À Marley. Tu fais là. C'est pas ça. C'est que Rav Kahana, il est sous le lit. Alors, il faut prendre avec beaucoup de... Je ne savais pas si vous lisez cette histoire ou pas. Parce non, que... mais c'est important, et... c'est important non, de savoir faut ça. Il pas... faut bien le comprendre. Il n'y a pas de perversité là-dedans. Il n'y a pas de perversion. C'est 100% pur. Oh, c'est les gènes. Les gènes. De toutes les manières, il était sous le lit, il n'a rien vu. Hein. Non, mais il a entendu, juste avec il a entendu monsieur, qu'est-ce qu'il disait. Et Rav, il faut savoir que... Attendez, ce n'est pas terminé, j'avance. À Marley, non, c'est Tzadikim, tu le vois parler, il voit se rigoler avec sa femme, il voit... Non, tu sais, c'est Rav. Et Rav, juste pour le savoir, Rav, il l'amène, on le voit. Rav, il n'a jamais dit une
un parole futile de sa bouche. Jamais, 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 jamais. L'os, rav, l'osar, si, khatroulin, miyama. Jamais n'est sorti de sa bouche une futilité. Dès qu'il est sorti de sa bouche, quoi qu'il est sorti, même si c'était apparemment une futilité, on en a fini à la fin. C'est aussi simple. Jamais tu. Toi, tu peux dire, est-ce que toi, tu peux dire que de ta vie, tu as tout ce qui sort de ta vie, c'était. Toutes ces paroles peuvent aller devant Kadosh Baruch Hu. J'espère qu'il y en a eu au moins une de bonne. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et il écoute Soufara, puis après, il a fait ça, Nefla Mitzvah et tout. À Marley, il lui a dit, Rav Kana, il est en dessous. Mais non, lui, il ne sait pas qu'il est en dessous. D'un coup, lui, il dit, il ne se gêne pas de le dire, Dame, poumé de haba, kedelo sharif tavshila. La bouche d'Abba. Abba, c'est son prénom. Ou, comme dire papa, comme si c'est son père, sombre ne pas avoir avalé de nourriture. On dirait que c'est la première fois de ta vie que tu es avec ton époux. Tu parles, tu es d'une excitation incroyable. Qu'est-ce qui t'arrive? Il lui a envoyé un commentaire en plus. Il lui fait un commentaire. Tu entends ce qu'il lui dit? Là, je me demande. Il lui dit, Kana Achaat, Kana, c'est toi qui es en dessous? Pouk, Delarev, Orach Ara, sors. Ce n'est pas convenable que tu sois ici. Marlo, Rav Kana lui dit, Rabbi, Teirei, Torahi, Vilimada Insakr. Ça, c'est de la Torah, je dois savoir comment on fait, comment on est, comment on parle à sa femme, comment. Ça, c'est comme l'histoire des D'abord, de cette halakha, de cette mitzvah-là, de cette histoire, on doit apprendre beaucoup de choses. C'est que jamais, jamais, jamais avoir une relation avec sa femme, si ce n'est pas avec le consentement à 1 milliard de %. Il la met en situation de rire, de sourire, d'agréable, d'être là, de la relaxer. Dedans. Relaxer, c'est quand le préliminaire. Bon, on ne va pas entrer dans les détails. Ok. Mais c'est. Préliminaire. Et tout ça, tous ces nianim, avec toute la grandeur qu'il est, il nous apprend une chose. C'est comment être avec son épouse. C'est pour ça que c'est retenu. C'est pour ça que c'est amené ici. On nous apprend. Comment? C'est-à-dire, le plus grand que tu es, tu dois être le plus humain avec la personne qui est devant toi, avec ta femme. Parce que, et d'un autre côté, la Gemara, elle dit, je crois, dans Hagiga, que jusqu'à 120 ans, on va amener les paroles de l'homme, même les paroles qui entrent dans l'intimité avec sa femme. Si ces paroles qui n'ont pas leur place, je dois donner des comptes dessus. Mais si Rino a fait l'eau, si Rakalash, si Benish, le Bishtol, dans le moment de l'intimité. Alors, pourquoi il parle s'il ne faut pas? Pourquoi? Réponse, il faut toujours mettre en situation la personne en face. Et vice-versa. Jamais quand elle est en colère, comme Rabbi Ami dit, si elle est en colère, les faillesses, toujours apaisées, etc., pour qu'il y ait un consentement 100%. Regardez comment ceux qui pensent que la Torah est archaïque, elle est loin d'être. C'est, il ne faut pas que ça soit bestial. Si c'est un acte bestial et qui n'est pas fait avec un consentement commun, et bien, les mauvaises méthodes vont se, et les mauvaises choses vont se retrouver chez les enfants, procréés par ça. Donc, c'est ça l'idée. On le remet dans le texte de l'époque où la femme n'avait pas le droit de voir. Et comme tu dis, tu dis très très bien, Rabbi Aaron le dit tellement bien, il remet le dans l'époque à 1800 ans en arrière, où le statut de la dame, de la femme, était vraiment beaucoup plus basse dans cette période patriarcale où c'était le mec qui choisissait tout. Ouais. Et là, non, pas du tout. Si c'est la femme, elle n'est pas dedans, c'est péché. Voilà, ça s'arrête là. On avance. Moi, elle dit, mais Pneumann, mais Catherine, Benjamin et Labismone, pourquoi on ne peut pas utiliser la main droite pour s'essuyer et fouiller la gauche? Plusieurs réponses. Amar Rava, Mipnesha Torah Nitena Beyamin. Rava nous dit, parce que la Torah a été donnée par la droite de Dieu. Comme c'était écrit, Mimino Esh Dat Lamo. On dit, Mesota Beracha. Hashem Berach Moshe, on dit, Mimino Esh Dat Lamo. De sa main droite, Esh Dat, quoi, un feu, Dat de loi, il a donné à son peuple. Et Mimino, la main droite. Donc, notre main droite qui symbolise aussi la main d'Akadol Bokhoun d'une certaine manière. Aussi, donc, la main qui... alors, on avance, c'est prochain. C'est ça. Là. En fait, non, j'ai devancé. C'était d'ici. Rabbi Shimon Ben Lakish, Rish Lakish nous dit, mais venez chez Kosher Batfilin. C'est parce qu'on attache les tefilines sur le bras gauche. Avec la main droite.
Alors, je vais expliquer le cours dernier. Alors que le tfilin est sur la main gauche. Comment c'est possible? Et la main droite. Et bon, ce tfilin est passif. On met sur la main gauche le tfilin parce que la Torah, elle me demande sur le bras de mettre le kécher sur la main gauche. Mais il est passif. Qui fait l'action de mettre, c'est la main droite. Sans main droite, tu peux mettre des tfilin? Non. Quelqu'un qui. Non, est... pourquoi vous dites ça? S'il est gaucher, il le fait. Alors, on change. Alors, lui, il va utiliser la main gauche, la main droite. Pour c'est ce que je dis. Donc, on peut le faire aussi sur la main droite. C'est tout. Ouais. Oui, le gaucher, il va mettre la main droite. Dans ce cas-là, exactement. Celui-là, c'est avec la main droite qui doit se torcher. Exactement, vous avez bien compris. Exactement. Donc, c'est dégradant pour la main droite qui fait cette mitzvah. Rav Nachman Bar Yitzchak Amar, Rav Nachman Bar Yitzchak dit, regardez. Aïe, aïe, aïe. C'est beau. Mipne shema reba ta'ame Torah. C'est parce que l'on montre les notes de cantillation, les ta'amim, de la Torah avec la main droite. La main qui sert à remplir cette fonction sacrée ne peut être utilisée pour une tâche aussi basse. C'est-à-dire qu'à l'époque, bon, aujourd'hui aussi, mais à l'époque, il n'y avait pas les. À l'époque, il n'y avait pas les nekoudotes dans la Sefer Torah. Il n'y avait pas aussi des livres comme aujourd'hui, on a ponctué. Donc, tout était, quand une personne lisait, on lui ponctuait tout, on lui faisait des signes de tout. Habituellement, c'était avec la main droite. On faisait parce que, OK, c'est à gauche, donc toi, c'est à droite, c'est avec cette main-ci. Donc, on n'utilise pas une main qui fait la Torah, il va faire quelque chose de basse comme ça. Vous imaginez comment tout ce qui est en rapport avec la Torah, automatiquement, elle le mérite. C'est Kadosh. Voilà. Et Agmar a dit. La compilation, elle est le plus haut niveau. Et ensuite, j'avais les tagim, ensuite j'avais les lettres. Vous savez que les ta'amim, c'est Al-Khalé Moshe Mishinaï. Wow. Comment tu chantes les choses de cette manière, c'est pas. C'est Kadosh Bokhu, tout est dans. C'est des secrets, tout ça. Wow. On va voir, on va comprendre. Mais là, on n'a aucune idée. C'est la cantillation. Son Zarka, il ne sait même pas ce qu'il dit. Mais il va avoir, Hachem va nous dévoiler tous les secrets de chacune de ces cantillations. Alors, Abotai, Maï dit qu'Etanaï, ces deux idées, c'est des marloquets dans les Tanaïm, clairement, noir sur blanc. Rabbi Lézier te dit, mi pene chez Ochel Ba. Rabbi Lézier te dit, tu sais pourquoi tu ne peux pas utiliser cette main, c'est par hygiène. Tu manges avec cette main, la main droite, habituellement, on mange. Et il peut avoir la saleté, ça peut être le côté buccal. C'est très dangereux, on joue pas avec ça, c'est pas bon pour la santé. Rabbi Shomer, Rabbi Shomer, il dit, mi pene chez Kotev Ba. Parce que tu écris avec les divrei Torah, comme la majorité des droitiers. Rabbi Akiva Omer, mi pene chez Mari Ba Ta'ame Torah. Et tout est vrai. Mais bien, c'est que tout est vrai. On ne fait pas ça, et les Rabbis, ça, ce qu'ils disent. Comment elle va donner les bonnes choses, les bienfaits qui sont réservés à ceux qui vont aux toilettes avec Tzinirot. Vous savez, là, on va parler de la manière comment il faut se comporter aux toilettes, surtout à l'époque. Mais ça, c'est une manière, de manière générale, comment il faut se comporter. Les gens qui connaissent bien la halakha et qui sont pudiques, quand ils vont aux toilettes et quand on leur parle du toilette, ils te font ils te répondent pas. Ouais. Parle pas aux toilettes, prends la ligne. De toute façon, parle pas. Mais aujourd'hui, c'est la musique, c'est la fiesta, c'est devenu la bibliothèque. Et si tu n'avais pas, donne-moi le chargeur. Je vous dis, avec les jeunes, je bosse, c'est mortel. L'équipe des toilettes, c'est devenu les bas dans le miroir. Et, en tout cas, je suis mort de rire. Maintenant, on avance. Non, mais vous le dites, mais il faut expliquer pourquoi non. Pourquoi non, on va le voir. Non, on va le voir. Vous allez voir un match de hockey au centre-ville, des bonhommes qui rentrent vers le bière. Oui. Il fait et il boit. Oui, en même temps. Il boit, il fait. Oui, il le pose sur le riz noir. C'est là, beaucoup plus productif. Évacuation de l'air. Alors, Botaille, c'est par pourquoi par pudeur, par pudeur. Tu es dans un endroit où c'est par pudeur et c'est une manière d'être. Mais on va le voir que surtout à l'époque, dans ce genre de champ de latrine, il y avait même des shedim. Shedim, c'est des démons, des mauvais esprits. On va le voir, vraiment. Hein. Et d'ici, Harry, on va voir comment vous allez voir tout de suite. On va voir tout de suite. Je pensais avancer plus. Il m'a dit qu'il on va voir. On va avancer plus. Bon, ça va. Amar habite al Khum. J'ai préparé un bouteille, je suis sûr qu'on va dire, pourquoi des fois dans ma tête je me dis on va flyer. Et là on arrive, ouais, un bouteille dans une feuille, c'est tout. Alors c'est tout, mes attaches, préparer la bière. Hein. Alors on avance, pas de centre-belle. Alors on y va. Amar Rabbi Tanhum Ban Hanilai, Rabbi Tanhum
le fils de Khanila, il nous enseigne Kolatsanoueb Betakise. Quiconque est pudique dans les toilettes, Nitsol Mishlocha Dvarim, il va être sauvé de trois choses. Et des choses, c'est par logique, des choses, c'est par pudeur. Minane Hashim, des serpents qui y sont cachés. Omina Akrabim, des scorpions qui y sont cachés. Bah, tu ne les déranges pas, ils ne vont pas te déranger. Omina Mazikin, et des démons qui fréquentent les toilettes. Veyesh Omrim, Af Halomotav Miushavim Alav. Il y en a qui disent, certains qui rajoutent que même ses rêves lui seront paisibles. Pourquoi ? Parce qu'on avait dit à l'époque que les mauvais rêves, c'est des démons qui te font serrer les rêves. Ils ne vont pas venir te prendre la tête si tu es pudique. C'est les impudiques. Agma raconte une histoire à Tibériade, aux toilettes de Tibériade. À Tibériade, il y avait des toilettes là-bas dangereux. Zone de guerre, le truc. Pourquoi ? Il y avait là-bas qui avoue, il est bêtré, il a fait l'oubli maman et Zaké. Vous savez, les démons, aujourd'hui, il n'y a plus ça. Mais à l'époque, il y avait un démon. N'avait pas le droit de s'afficher devant trois personnes. Il avait le droit de s'afficher devant deux, mais pas leur faire du mal. Et si c'était one by one, il pouvait faire du mal. Là, il était tellement dangereux, ces démons là-bas, que même tu venais à deux, en journée, habituellement c'est la nuit qui lui faisait du mal, pas en journée, et à deux, il te faisait du mal, rien à faire. Et c'était dangereux d'aller là-bas, vraiment. C'est un petit peu comme... c'était dangereux. Ouais. Rabbi Ami et Rabbi Assi, avoua ilé, behad, lehoudé, velamidzake. Rav Ami et Rav Assi, deux grands amudis, entraient chacun seul et ne furent pas régressés, sans problème. Amarle ou les rabanan. Rami nous l'ont dit, lo mistefito, tu n'as pas peur ? Vous n'avez pas peur de vous faire attaquer, agresser par ces démons ? Qu'à Anan, Kabbalan Gerinan, j'adore ce qu'ils vont dire. Et nous, on a une tradition que nous avons reçue de nos maîtres. It's beautiful. Kabbalah des bêtes à qui c'est Tsniruta ou Shtikuta. Voilà Rabbi Moshe. La tradition concernant les toilettes, c'est la tradition de pudeur et silence. Et c'est l'observance de cette tradition qui nous épargne, nous protège. Et j'avance, deuxième tradition, Kabbalah des Issourei Shtikuta ou Mibayi Rahami. Et la tradition concernant les souffrances, Issourei Shtikuta, c'est le silence et la ploration de la miséricorde divine. Tu reçois des souffrances, Hachem, accepte et demande pardon à Hachem. Et demande, demande qu'Hachem de te guérir la miséricorde. Mais ne te rebelle jamais. Vous savez, la Shtikuta, la Gemara raconte. Vous savez, les gens qui ont la pudeur, qui ce n'est pas des grosses bouches, eh bien, tu peux beaucoup apprendre d'eux, et surtout, tu sais que c'est de bonnes personnes. La Gemara raconte dans Kedoshim, je crois que c'est Rav Yehuda, pas sûr, il faut revoir là-bas. La Gemara raconte que son élève, il disait, ne cherche pas, il lui a dit comment choisir une femme. Un homme pour mes enfants, pour mes filles. Ok ? Comment chercher un bon partenaire ? Il dit, mais toi, tu. Il dit, comment on sait ? Alors, il dit, parce que peut-être toi, tu es un bâtard. D'où tu sais d'où tu viens ? Parce que nous, on sait d'où on vient. Toi, tu sais d'où tu viens ? De ton père. Mais ton père, il sait d'où il vient ? De son père. Est-ce que tu sais ce qui se passait là-bas ? Moi, je sais. Il dit, alors d'où on peut savoir être sûr que c'est une bonne femme ? Je sais pas, j'ai pas de truc ADN, moi. Est-ce que j'ai un truc ADN ? Non. Tu veux savoir, tu vas attacher un bon hatan, une bonne kala pour ta fille ? Je t'écoute. S'il n'a pas la grosse... S'il se tait. S'il n'a pas la grosse bouche. S'il est silencieux. S'il n'est pas extravagant, là. Je t'écoute, tu sais que c'est le pari sur le bon cheval. C'est ça qui fait shtikuta. Non, mais shtikuta, ça vient du mot shtok. Sheket, voilà. Sheket, c'est calme. Voilà, laisse se taire. Se taire. D'avoir se taire. Rabotai. Qu'Hachem me donne cette mida purée, parce que c'est la plus belle mida, je pense, c'est de savoir se taire. Vous savez qui a eu ça ? Aaron HaKohen. Aaron HaKohen, il a eu
ces enfants sont décédés le jour de la migration du Tamilas, Mishkan, Vaïdom Aaron. Pas un mot. Pas un mot. Il a tout accepté. Et c'est intéressant que c'est le même Aaron qu'on dit Oev Shalom, Rodev Shalom. Aaron, c'est celui qui aime le Shalom et qui ramène le Shalom, etc. autour de lui. Pourquoi simplement? Et la Mida de Aaron, c'est quoi la Mida de Aaron? Oev Shalom, Rodev Shalom. C'est Shtikuta. Ishtok. Arrête de parler. Trop tu parles. Plus tu parles, plus tu dis des bêtises. C'est vrai ou pas? C'est un très beau proverbe. Vas-y. 100%. Hachamitami, si tu es sur terre, pour te taire et pour apprendre à te taire. C'est pour ça qu'il nous a mis sur terre. Il t'a mis sur terre pour que tu apprennes à te mettre au niveau de la terre, l'humilité, mais en même temps que tu apprennes à t'écrire la terre et à te taire. C'est un pinceau qui a fait meurtre. C'est pas un pinceau qui a inventé. Il y a assez à Adam, Olamo, il y a assez à Matmo qui l'aime. Le métier de l'homme sur terre devrait être de se taire, d'être muet. Mais ça, je pense qu'en fait, si ça, c'est le secret de la bonne communication. Pourquoi? Parce que tu t'es. Donc, c'est sûr qu'elle est bonne. Mais ne pas répondre. L'idée, ce n'est pas juste se taire. Ouais, passif, là. Non, mais... C'est se taire lorsque tu as quand répondre. Voilà. Quand tu as quand dire. Parce que si tu n'as rien à dire, bah, tais-toi. Tu seras beaucoup mieux apprécié. Ça veut dire, OK, on pensait que tu étais intelligent, que tu l'as ouvert. Tu la connais, celle-là? Oui. Mais alors, vaut mieux tu taises. Non, tu as de quoi dire. Stop. Tu as de quoi répondre, tu as de quoi argumenter. Après, ça, c'est très dur. C'est ma mâche. Voilà. Savoir, maintenant on avance. Une grandeur. C'est une grandeur. Ouais, c'est une grandeur d'esprit. Pas répondre. Ah, c'est très difficile. Agmara raconte, je termine avec ça. Abayé, à la fin, je voudrais vous poser une question. La mère d'Abayé, c'était pas sa mère en fait. C'était sa mère qui s'est. La mère adoptive. Adoptive, comme on l'a dit, sa nourrice. Et c'est son nom qui s'en est occupé. Et quand elle l'a envoyé aux toilettes, dangereux, tu vois, t'es jeune, tu vas aux toilettes, en plus avec les démons qui se baladent là-bas. Je peux pas le laisser aller. Et bien, elle l'a envoyé avec un mouton. Ah, un mouton qui l'a suivi. Ah oui, là, avec le mouton. Afin qu'elle ne s'est pas seule. Parce que là, souvent, c'est. Pour que quoi? Pour que les chédimes, quand ils voyaient comme deux têtes. Ouais, deux yeux, quatre yeux. Comme ça, et donc, c'est l'impression qu'il y avait deux personnes, c'est qu'ils ne vont pas venir. Elle m'a dit pourquoi spécialement un petit mouton, pourquoi pas un bouc, pourquoi spécialement tu disais réponse, vous allez être surpris parce que Sa'ir et Sa'ir Mitralef, parce que le bouc risquait d'être confondu avec quoi? Avec le démon qui s'appelle bouc qui a la même forme. Ils pensaient que ça serait un ami à eux qui est là-bas, ils vont aller le voir parce que les boucs des toilettes, les démons des toilettes avaient la forme des boucs. Comment ça s'appelle Bémet? Il n'y a pas ceux qui parlent, les démons ils l'appellent les Sa'ir. Et ce Sa'ir, là, Azazel, le bouc émissaire qu'on envoie à Azazel, des démons, le son de Satan. C'est tout en représentation de Esav, Sa'ir, etc. C'est pas le dibouk qui s'appelle un démon hein. Non, c'est Dim. C'est Dim. Sa'ir. Sa'ir en arabe, c'est Sar. Sar, ça veut dire les cheveux. Il était poilu, voulu. Mm-hmm, exactement. Alors, Gmar nous dit, parce que le bouc est poilu. Rava mikame davareche mikarkeshele. Je termine avec ça. C'est que l'Agma raconte que Rava, avant qu'il devienne Rosh Yeshiva, quand il partait aux toilettes, pas très loin de chez lui, sa femme, elle prenait, elle mettait comme une noisette dans un récipient en cuivre, faisait comme dans une boîte de tzedaka. Ah, comme on appelle ça un tressel, bravo. Pour faire du bruit, pour que les démons ne leur fassent peur qu'ils partent. Et pour c'est péché de faire ça. Hein. Bien sûr. Vous savez pourquoi? Oui, oui. Parce que ça représentait la croix. Mais en tout cas. Non, il y a autre chose. En tout cas, alors ils font comme ça pour qu'ils partent. Et quand ils sont devenus chez Shiva, alors elle a eu encore plus peur parce que les démons, ils veulent faire plus de mal à ceux qui sont occupés à Torah. Il faut le savoir. Ce qui puise aussi leur énergie de là-bas. Et donc, elle est derrière la toilette de sa maison. Elle a fait comme un petit trou, petit hublot. Elle pouvait mettre sa main. Elle mettait sa main et lui attraper sa tête pendant qu'il était aux toilettes. Pour que les démons qu'ils voient qu'il y ait deux personnes et qu'ils ne les attaquent pas. Pour vous dire comment c'était important. Donc, ici, on va le voir plus tard après, la tsinout qu'il faut avoir aux toilettes. Et on va voir aussi la tsinout, comment David Améler n'a pas tué le roi Saül. Pourquoi? Parce qu'il a vu comment il était aux toilettes. Il a vu quelle manière, quand il est parti aux toilettes dans la grotte, il a vu comment il partait aux toilettes, il a vu quelle noblesse. Et on va le voir, Bézat Hachem, on va l'étudier. L'inéder, jeudi prochain. Ce Shabbat, je ne serai pas avec vous à Orachaim.
je vais devoir aller dans un Shabbaton que nous avons organisé pour les élèves de l'école, Bezrat Hashem. Donc, je fais un Shabbaton annuel, j'espère. C'est mon Shabbaton. Et je vais, Bezrat Hashem, aller dans Sainte-Émilie de l'Énergie, c'est dans la Naudière, je ne sais pas où là-bas, voilà, à Joliette. Et puis, je vais donc vous languir. Vous avez beaucoup me manqué, je ne vous cache pas. Parce que maintenant, c'est ma famille. Bête, je vais devoir y aller. Mais on se retrouve jeudi prochain. Et lundi soir, c'est Yom Ha'atzmaout. On va festoyer. Et en espérant que ma chère viendra d'ici là. Je vous embrasse. Et je vous souhaite Shabbat Shalom.